Face B vous présente aujourd'hui Yoke, qui sort son deuxième EP Optimum. On part en teuf, groupé, groupé. Le trône est vide quand elle se pose tout près, tout près. Hey, c'est que t'es belle poupée. Non, trop direct et maman dirait qu'elle toupée. Soudain, Marvin me chuchote, elle je la baisse. Heureusement que la croix descend à perd la chaîne. T'as un vrai univers. Cet EP, il y a un peu de tout, il y a de l'humour. À un moment, j'ai même pleuré sur une chanson. Tu chantes aussi. C'est un EP, enfin, c'est du rap intemporel, je trouve. Bah c'est gentil, ouais, c'est... Je le réfléchis pas trop. Je chante, je le réfléchis pas trop, tu vois, sur ces morceaux. Quand je suis parti en chantonnant, c'est juste que je me disais que c'était comme ça que j'avais envie de faire passer l'émotion, tu vois. Mais ouais, intemporel, c'est vrai que j'ai des instrumentales que j'ai depuis pas mal de temps, qu'on a un peu remis au goût du jour, mais c'est pas forcément une tendance. J'écoute beaucoup de tendances, mais je pense pas être dans une tendance. Voilà, j'ai ma direction. Hashtag soirée ouf, et j'envoie mon tweet, mais tout s'efface quand débarque la fille de la Linde. On me dit prends garde aux femmes, négro, faut les faire. Mais si je baisse mes armes, je peux les coller, c'est coller, c'est. Tant qu'elle me charme, tant qu'elle sait me parler, tant qu'elle me calme. Moi j'ai surtout grandi dans la soul music, dans la soul, le funk, la Motown par mes parents. Donc au tout départ, j'étais vraiment dans les vibrations, voilà, noires de la musique, et donc je pense que ça se sent aujourd'hui dans la musicalité que j'aime défendre. Après, j'aime autant le rap aujourd'hui parce que j'ai grandi là-dedans. Aujourd'hui, j'écoute quasiment que du rap. Là, si tu me demandes la playlist que j'ai en ce moment, c'est que du peura. Moi, je suis plus dans le rap français, mais là en ce moment, j'écoute du crapuleux alors que c'est pas du tout ce que je fais, tu vois. Mais ouais, je suis tombé sur du Gradur que j'ai kiffé. J'ai quoi? J'ai un Suisse qui s'appelle Makala que j'ai kiffé. Je m'approche, je la vois qui cause avec qui me dit la boule. Hier, qui m'était conne, mais ce soir, elle est cool. Je me lance, quoi de neuf Kim, comment va ton frère? Ben Willy ton frère, comment ça c'est pas ton frère? Loupé, mais tout près j'ai fait rire ma poupée. Elle va pas y couper, il me reste un couplet. Il y a beaucoup d'ego trip en ce moment. Toi non, on sent que t'as envie de raconter des choses. Bah j'ai eu de l'ego trip, je pense que j'en ai encore un petit peu, mais c'est de l'ego trip on va dire. Peut-être plus fin, j'essaie de faire ça parce que je les écrase tous, etc. On sait très bien que c'est faux. Et que c'est. Voilà. Après, c'est une forme de rap. J'aime bien quand c'est bien fait, que c'est de façon un petit peu alternative ou élégante parce que voilà, c'est une composante du rap. Mais c'est vrai que moi, vu que je fais un rap où je rappe un petit peu aussi ce que je pense, bon, bah, je suis obligé d'être en phase avec mes idées. Il y a des gens qui créent des univers, qui rappent plus des films. Et donc là, on s'attend à ce qu'ils écrasent le monde et que ce soit 300 et c'est ce qu'on kiffe, tu vois. Mais c'est vrai que dans ma façon de faire, je vais plus savoir un art qui va correspondre à mes idées, à l'évolution dans ma vie, etc. Hein, c'est, je rappe ce que je vis, frère. Non, voilà, non, c'est du vécu. Après, c'est scénarisé pour que ça se fasse en chanson. Je l'accompagne sur le balcon, je fume depuis 10 quand j'ai 15 taf. Top chrono, je vais en profiter pour lui réciter mon curriculum vitae. Je m'appelle Paul, ma soeur c'est tout pour moi. L'argent, toujours l'argent. Au final, dis-moi pourquoi. Elle dit qu'elle aime la musique, je réponds que je rappe aussi, mais elle aime pas trop le rap. J'ai du rap un peu jazzy, en fait c'est pas le ghetto. Nos mains se frôlent, on va s'asseoir, on va s'asseoir. Elle me trouve drôle, je veux la revoir. Elle boit du jus, je bois du rhum. Elle boit de l'eau, je bois du rhum. Comment t'arrives sans label, sans équipe de promotion à diffuser comme ça ta musique, parce qu'on te voit partout? Partout, c'est pas encore partout, mais j'espère savoir que c'est déjà par la musique. Je me suis arrêté pendant 3 ans, donc je repars un peu à zéro. Les gens aujourd'hui, il y a énormément de contenu qui se fait sur internet, énormément de clips, énormément d'EP, énormément d'artistes. Donc je pense que ça se fait un peu plus sur la longueur qu'avant. Il y a des gens, des connexions, des gens qu'on connaît petit à petit, qui aiment la musique, des médias à droite à gauche, les gens qui aiment, et je pense que c'est comme ça que ça tourne. Donc là, le premier clip de l'EP, c'était Trois-Rivières. Là, il y a On sent pas les coups qui va arriver. Exactement. Et un troisième aussi. Et le troisième qui sera une chanson d'amour, donc c'est le morceau de Lola. Un morceau plus personnel, et voilà, je pouvais pas réaliser seul, donc je travaille avec ce mec qui s'appelle Kevin El Amrani, qui fait pas mal de clips de rap, et qui a un œil que j'aime beaucoup, et je pense qu'on a réussi à toucher quelque chose de simple, parce que l'histoire est très simple, mais de juste, ça sortira plus tard. Faut que j'assoie un peu l'univers avant de me lancer dans cette chose-là. C'est pour ça que Trois-Rivières, qui est un morceau qui me correspond grave, chaleureux, second degré, en même temps qui bouge, c'est bien. Le deuxième est plus rap, mais me correspond quand même. Le troisième, ce sera quand j'aurai montré différentes cartes, je pourrai montrer aussi ce que je sais faire là-dedans. Bah écoute, merci beaucoup Yoke. Allez pécho le P Optimum. Yes, www.yokemusic.com. YOK, musique à l'américaine. Voilà, c'est ce que t'as à faire.
accro, j'en ai trop. Non, j'ai trop d'écho. Mon ami a quelques carnosimes, n'ont fait trop d'écho. Marina, les boules, gonfles, mélange comme des oreos. Normal qu'elle voit rouge, on se pavane comme des torero.